tout ça pour dire joyeux anniversaire, voilà. Bon, alors voilà, j'ai 30 balais, mes enfants. Et alors? Ça arrive à tout le monde, ça fait pas mal, vous inquiétez pas. Alors, champagne, je sais pas si vous voyez, voilà, voilà. Champagne pour tout le monde. Youhou! Alors, merci. Regardez derrière, là. Regardez, c'est quoi, ça? Les cadeaux! Ah, il y en a. J'en ai jamais autant eu. D'abord, le courrier. Pour ton anniversaire, je t'envoie. Que cette 30e année soit une année de réussite. Premier devoir, là, c'est pour moi. Hein. Voilà, c'est mon bébé qui m'embrasse. Et Pierre, ce qui est sympa, c'est qu'il y a les mots des copains. Alors, les cadeaux, allons-y, on ouvre. Je ne sais pas de la part de qui c'est, mais alors merci à tous ceux qui m'en ont donné, c'est vraiment gentil. Vraiment, c'est sympa, hein. Alors, attends, c'est pas fini. Qu'est-ce que c'est? Ça, à tous les coups, c'est mon bébé. Un petit jeu électronique, la sorcière, ça, j'adore. Oh oui, génial. Un cerf-volant de la part de Stéphane Collaro, Marchi. Pour un tel périple, une présence féminine s'impose. La carotte, d'accord, mais la capote, d'abord. C'est pas fini. Regardez le joli petit bateau. Un backgammon computer, c'est pas vrai. Oh là, oh là, oh là, oh là, attention, les yeux, ça force un peu. Un grand merci. A tramp. That's right. You haven't even got a fat bankroll in your pocket. You probably haven't even got 25 cents. I got 6 left. On a filou en remorque et puis bah, on attend, mes enfants, on attend, il va essayer de larguer l'artimon. C'est-à-dire le mât de l'arrière, il en a deux, lui. Alors les deux mâts, ils couchent son bateau complètement. Avec les voiles, tout ça, donc en larguant un, peut-être que bon, ça devrait aller. Thank you.
balance les ondes et puis ben, un grand merci. Ben, mon Lolo, ben, je te remercie à tous. Donc celui-là, ça fait mon septième ça. Devant il y en a encore, et là-bas à gauche il y en a un énorme, un gros tabulaire. C'est dingue hein. Oh là là là. Là devant il y en a, ouais. Et celui-là, je l'ai à peine vu au radar. Parce que comme on a les voiles tangonnées, j'ai l'impression que ça masque le radar. C'est vraiment impressionnant, hein, comme des trucs. Ouh là là là. En tout cas de rafistoler tout ça, en espérant que ça tienne. Si ça tient pas, je suis chocolat. Brûle les poubelles! Ça schlingue, mais enfin bon. Au moins, ça fait moins sale. Et qu'une trouille, c'est de foutre le feu au bateau. Ah merde. Ils sont marrants comme tout. Vous avez vu les dauphins? Tant mieux. Nous sommes dans la pétole, mesdames, messieurs, ça bouge, hein. Nous sommes actuellement dans le sud des Açores. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de bestioles. Nous sommes en plein dans l'anticyclone, ou presque. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas de vent. Et nous sommes donc mal placés, c'est la raison pour laquelle nous risquons de perdre cette course.